Alors, nos 2 minutes de pause café sont déjà épuisées. Et donc, nous allons commencer avec la deuxième présentation qui sera donnée par Jean-Paul Tsassa. Et voilà, je ne sais pas si ça vaut la peine pour moi de les présenter encore, vu que je l'avais déjà fait au début. Alors, voilà. Sinon, je crois que je vais juste le faire de façon brève. Donc, pour ceux qui avaient peut-être des difficultés à nous suivre quand on a présenté Jean-Paul Tsassa, sachez que c'est un doctorant qui poursuit ses études au Canada, à l'Université de Québec, à Montréal. Et il fait l'économie. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous. Il est vraiment notre invité d'honneur. Voilà, nous avons beaucoup de respect pour lui parce que c'est vraiment un chercheur hors pair. C'est une personne vraiment très, très productive. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un grand privilège pour nous de l'avoir vraiment parmi nos orateurs. Et donc, Jean-Paul Tsassa, nous vous accordons la parole pour votre présentation. Je rappelle que vous avez 15 minutes pour le faire. Merci beaucoup. Oui, merci pour la parole. Je vais tenter de d'aller le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à partager mon écran? Oui, vous pouvez le faire. OK. Alors, les thèmes du jour portent sur une dérivation mathématique de l'offre et de la demande de leadership. Je vais tenter de les faire de manière pédagogique dans 15 minutes. Je pense que je serai à même d'y parvenir. Alors, avant d'aborder le cœur du problème, j'aimerais commencer par les jargons, puisque je suppose que nous sommes de différents domaines. Certains sont des économistes et d'autres sont des non-économistes. Lorsque j'utilise une dérivation à la place de la dérivation, cela a tout son sens. Pourquoi? Parce que les protocoles que je vais appliquer pour dériver mes fonctions d'offre et de demande de leadership, c'est un protocole qui est spécifique. Mais ce n'est pas un protocole qui est général, global. Il peut exister d'autres protocoles qui peuvent également permettre de dériver d'une manière ou d'une autre les fonctions d'offre et de demande. Donc, ce qui fait que on parle d'une dérivation et non de la dérivation. Alors, les mathématiques, pour nous, les économistes, c'est un outil qu'on utilise qui nous permet d'apporter une certaine rigueur et une cohérence dans notre analyse. Donc, ce qui fait qu'on a voulu vraiment mettre en avant la dimension mathématique pour dire qu'il ne s'agit pas d'une dérivation subjective, mais c'est une dérivation qui est basée sur une logique mathématique. Alors, l'offre et la demande, ce sont des mécanismes qu'on utilise généralement en sciences économiques pour déterminer l'équilibre sur un marché du travail. Donc, plusieurs activités dans la vie courante peuvent être ramenés, exprimés sous forme d'offres et de demandes. Et en dernier lieu, le leadership, qui est vraiment le concept clé pour notre recherche, il faut retenir que le leadership dans cet exposé est plus abordé dans le sens macroéconomique ou dans le sens sectoriel et non dans le sens d'une firme ou d'une entreprise particulière. Pour ce concept, on attribue une capacité à 4 dimensions. Lorsqu'on parle d'un leader, pour nous, on voit premièrement la capacité pour un agent économique d'avoir une vision claire du progrès de sa communauté ou de son pays. C'est le cas, par exemple, avec l'initiative BEBIC. Les porteurs de cette vision peuvent être considérés véritablement comme des leaders, puisqu'ils ont une vision claire du progrès
de leur communauté. On sait que la recherche occupe une place importante dans le développement de toute société. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir une vision claire du progrès de sa communauté. Mais en plus, il faut savoir définir quels sont les objectifs globaux et les objectifs intermédiaires. Par exemple, si on prend les cadres de pays ou on prend les cadres d'un pays, il faut savoir, par exemple, si on me nomme président de la République ou si on me nomme au niveau d'un ministère sectoriel, quels sont les objectifs globaux ou finaux que je me fixe et quels sont les objectifs intermédiaires qui vont me permettre à aboutir au résultat final. Et la troisième capacité qu'on confère au concept de leadership, c'est celle de résister au présentaire. Puisqu'on sait que lorsqu'on veut mettre en place une réforme, un changement, il y a toujours des présentaires qui vous attirent vers les statu quo. Et donc, un leader doit être à même de résister à ces présentaires-là. Et la quatrième capacité qu'on confère au concept de leadership, c'est celle de surmonter les difficultés. C'est-à-dire qu'un leader ne doit pas être là à se plaindre ou à s'inquiéter. Il doit mettre en place des stratégies pour surmonter des obstacles qui peuvent être tendus sur son chemin. Donc, il y a ces quatre capacités clés qu'il est important de retenir. Donc, la première, c'est une vision. Il faut avoir une vision. La deuxième, c'est savoir définir les objectifs, qui peuvent être des objectifs globaux, intermédiaires. La troisième, c'est la résistance. Il faut avoir cette capacité de résister aux pesanteurs, aux groupes de pression, aux lobbies. Et la quatrième, c'est celle de savoir la capacité de surmonter les obstacles, les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, après le jargon, je vais aborder ce que je peux considérer comme des prérequis. Alors, lorsqu'on voit l'économie congolaise de 1960 à 2020 ou à 2019, selon la disponibilité des données, on constate qu'en 1960, un Congolais moyen, le PIB par habitant, PIBH, c'est les revenus que gagne un Congolais moyen en moyenne. En 1960, un Congolais moyen gagnait plus de 1000 dollars. Et 60 ans après, on constate qu'un Congolais moyen gagne deux fois moins, hein, soit 400 dollars. Alors, la question qu'on peut se poser d'un coup, c'est celle de savoir pourquoi la RDC a régressé, hein, pourquoi les revenus d'un Congolais moyen a été divisé par deux. Pourquoi la RDC s'est appauvrie. Et une autre question qu'on peut se poser, bon, nous avons la RDC qui s'est appauvrie. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. J'aimerais partager notre écran. Donc, on peut se dire, la RDC s'est appauvrie, mais pourquoi nous ne sommes pas à même de quitter cet état d'appauvrissement, puisqu'en 1960, on était quelque part là, et en 2019, nous sommes là. Et lorsqu'on voit d'autres pays, par exemple, on peut prendre un pays au choix. Je pense que le graphique est visible. Hein. Donc, si on prend un pays au choix, par exemple, Botswana, on constate qu'en 1960, le revenu qui est gagné un habitant, un Botswanais, hein, je pense que le terme c'est Botswanais, ou Botswana, je ne sais pas Botswanais, donc, était inférieur au revenu que gagnait un Congolais en 1960. Et en 2019, on voit que c'est vraiment, le revenu est significativement supérieur à un pays. Bon, on peut se dire, bon, ok, le Botswana est très hostile, peut-être il bénéficie d'un climat plus tempéré que la RDC, mais si on prend d'autres pays, prenons un pays qui se situe sur l'équateur, presque même positionnement que la RDC, même superficie, même grandeur. Si on prenait par exemple le Brésil, je pense que la RDC va même disparaître sur la carte. On voit que le Brésil, on est tous l'équateur, même grandeur, même climat. On voit que le Brésil a un PIB qui a augmenté au fil du temps, contrairement à la RDC où le PIB a diminuer. Et donc, la question qu'on se pose d'emblée est de savoir
Pourquoi l'économie congolaise ou pourquoi un Congolais s'est appauvri? Et pourquoi les Congolais demeurent dans la pauvreté? Parce que c'est vraiment une question. Bon, on peut constater qu'on s'est appauvri. On peut dire, bon, OK, décidons-nous de changer les caps, de devenir plus riches. Mais pourquoi on n'arrive pas à devenir plus riches? Alors, la réponse est difficile à trouver, à donner, puisque si c'était facile, on allait appliquer. La solution n'est pas facile. Alors, dans le cadre de nos recherches, donc, nous avons essayé un peu de faire la revue de la littérature. Donc, c'est un ouvrage qui va apparaître dans les jours, les mois à venir, où on parle de l'économie politique, des malédictions du développement ou du sous-développement, si vous voulez. Donc, bon, on parle du développement puisqu'il s'agit d'une malédiction. Donc, économie politique, des malédictions de développement. Alors, dans cet ouvrage qu'on a rédigé avec, nous sommes en train de rédiger avec le professeur Matata Pogno, donc, nous disons que la RDC est pauvre ou elle persiste dans la pauvreté puisqu'elle est victime d'une malédiction. Alors, il faut savoir, la RDC est victime de quelle malédiction? La littérature nous dit qu'il existe au moins 5 malédictions de développement. La première malédiction, c'est celle du climat. On dit que les pays qui sont situés dans... qui ont des climats chauds, hein, des températures plus élevées en moyenne annuelle, sont des pays qui sont relativement pauvres. Donc, ce qui fait que le fait que la RDC traverse l'équateur, se situe dans la zone tropicale, donc ce fait que ce positionnement-là défavorise le développement de la RDC. C'est un argument hein, qui a été documenté dans la littérature. La deuxième malédiction, c'est la malédiction du binôme culture-race. Hein, peut-être la culture que nous, les Congolais, nous avons, ce n'est pas une culture de développement, ou même la peau, puisque les Congolais sont des Noirs. Donc, les Congolais ne se développent pas plus qu'ils ont la race noire. Ce sont des théories qui ont été avancées dans la littérature et qui ont été documentées, donc nous avons des références. Et la troisième malédiction qu'on évoque généralement au niveau de la littérature, c'est la malédiction des programmes du FMI. On peut dire, bon, OK, la RDC ne s'est pas développée puisqu'elle a été victime de programmes d'ajustement du FMI et de la Banque mondiale qui n'ont pas permis à développer les secteurs sociaux, qui ont fait des coupes au niveau des budgets sociaux. La quatrième malédiction, c'est la malédiction des ressources naturelles qui dit que les pays qui sont riches en ressources naturelles sont des pays qui sont généralement pauvres. Et la cinquième malédiction, c'est la malédiction des institutions qui est portée par le courant institutionnel qui dit que certains pays sont plus pauvres que les autres puisque dans ces pays-là, nous avons des institutions qui sont extractives, donc ce ne sont pas des institutions qui facilitent ou qui favorisent le développement. Donc, voilà ce que nous propose la littérature. Alors, nous l'avons fourni, documenté pour essayer un peu d'évaluer la cohérence de ces malédictions dans le temps et dans l'espace. Et le constat est que toutes ces malédictions, on trouve que toutes ces malédictions ne sont pas cohérentes. Hein, c'est-à-dire que si on prend par exemple les climats, on peut dire que la RDC n'est pas développée puisqu'elle est localisée dans une zone tropicale. Lorsqu'on regarde la carte, les globes terrestres, on constate que certains pays qui se trouvent vraiment dans la zone tropicale sont développés, ont un niveau de revenu qui a augmenté. C'est le cas notamment du Brésil. Nous sommes pratiquement aligné sur le globe, même positionnement. C'est fait que le Brésil, au passage du temps, son PIB par tête a augmenté. En revanche, pour la RDC, son PIB par tête a diminué. Donc, dire que la malédiction du climat est un facteur de sous-développement, ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais cela n'est pas toujours cohérent dans les temps et dans l'espace. Donc, on essaie un peu de voir, d'évaluer la cohérence temporelle et spatiale de chaque malédiction. On a fait de même pour la culture. Donc, je vais essayer de présenter les résumés. Donc, Cher Jean-Paul,
Je vous rappelle que vous avez encore 3 minutes pour votre présentation. Merci. OK. Donc, pour la malédiction du climat, donc, nous avons les cas du Brésil. Même climat, même superficie, même géographie, mais l'aide est moins développée. Le Brésil est développé. La Corée du Nord, nous avons même race. Hein, ils ont la même race. Ils ont la même culture. Ils ont la même géographie. Mais nous avons la Corée du Nord qui est développée et la Corée du Sud est moins développée. Donc, on voit que les facteurs race, culture, géographie n'est pas cohérent. Puisque si c'était cohérent, on devait avoir soit la Corée du Nord et la Corée du Sud sont moins développées, les deux, soit les deux sont développées. Donc, ce n'est pas cohérent. De même ici, les climats, la superficie, la géographie ne sont pas cohérents. Puisque si c'était un facteur qui devrait expliquer de manière cohérente le développement, on devait avoir soit le Brésil et la RDC sont moins développés, ou soit les deux sont développés. Donc, il y a une certaine forme d'incohérence. Alors, on peut généraliser cela pour d'autres facteurs également. Lorsqu'on prend... considère la malédiction des ressources naturelles. Par exemple, dire que le Japon est développé puisque le Japon a moins de ressources naturelles, on voit que le Japon et l'Haïti, les deux n'ont pas de ressources naturelles, les deux sont situés dans des zones sismiques. Donc, il s'est fait que dans l'un, on a un niveau de développement plus élevé que dans l'autre. Donc, on peut multiplier des exemples pour montrer que les 5 malédictions qu'on a énumérées ne sont pas spatialement ou temporellement cohérentes. Alors, nous avons montré sur base de l'évidence que la vraie malédiction est fondamentalement celle des institutions. Les autres malédictions sont en réalité des artefacts, c'est-à-dire ce sont juste des coïncidences. Et nous soutenons que la malédiction du leadership est antérieure à celle des institutions. Et donc, c'est là où on doit faire la démonstration, démontrer qu'en plus de la malédiction des institutions, il y a une malédiction qui est antérieure. Et nous, on soutient notre thèse et démontrer que cette malédiction, dans les livres, bien sûr, c'est pas ma thèse, dans les livres, notre thèse est de démontrer que la malédiction du leadership est antérieure. Bon. Il me reste, je pense, 1 minute. Je ne sais pas comment je vais faire pour présenter les restes. Je vais vous pouvez continuer. Le modérateur a décidé d'ajouter 10 minutes. Oui, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, donc, nous insistons sur le fait que la malédiction du leadership est antérieure à la malédiction des institutions. Mais là, il ne suffit pas de les proclamer, puisque tout le monde va nous demander, il faut les prouver, les démontrer. Alors, en économie, pour prouver une assertion, pour démontrer une assertion, on procède de deux manières. On procède par des évidences empiriques et par la théorie. Et donc, il faut faire en sorte que les deux puissent converger. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais plus m'atteler sur la théorie, c'est-à-dire présenter un cadre théorique qui va nous montrer un peu comment on peut dériver l'offre et la demande du leadership, puisqu'il faut trouver un équilibre. Et partant de là, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour faire du leadership véritablement un facteur du développement. Alors, notez que j'établis un lien entre leadership et mise en œuvre des réformes institutionnelles, puisque le processus de développement ne peut pas être enclenché sans qu'il y ait fondamentalement des réformes institutionnelles de grande envergure. Alors, ça peut être des réformes sectorielles, plusieurs réformes sectorielles, mais lorsqu'on va agréger les tout, ça ne fera une réforme institutionnelle. Par exemple, si on veut faire une réforme au niveau éducatif, par exemple au niveau des universités, cela veut dire par exemple qu'il faut favoriser les plus méritants. Mais le fait de favoriser les plus méritants, tout le monde ne sera pas content, hein, puisqu'il y a les facteurs tribalisme, il y a les facteurs camaraderie, il y a les facteurs connaissance. Donc, tout le monde peut dire, bon, OK, c'est vrai, mais c'est A mérite, mais moi, j'ai mon frère B qui peut également bénéficier de cette bourse. Mais si on veut réellement mettre en place des réformes, il faut avoir la capacité. Rappelez-vous, nous avons conféré au concept leadership 4 capacités. Donc, la troisième capacité, c'était celle de résister au groupe de pression. Donc, il faut résister à ceux qui viendront avec des arguments subjectifs. Et quatrième capacité, celle de surmonter les obstacles, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, nous connectons ici leadership et mise en œuvre des réformes institutionnelles, mise en œuvre effective.
Donc, chaque mot est vraiment important. Mise en œuvre effective de réformes institutionnelles, en ce sens qu'on ne peut pas avoir un développement sans pour autant qu'on ait des réformes institutionnelles de grande envergure. Par exemple, aujourd'hui, si on dit on veut lutter contre la corruption, tout le monde ne sera pas content. C'est une réforme de grande envergure. Et donc, il faut se doter d'un certain leadership. Et ce leadership-là, nous avons conféré à ce concept les quatre capacités que nous avons énumérées précédemment. Alors, dans la littérature, on trouve quand même des manières timides, hein, des papiers, des articles qui parlent du leadership, de l'importance du leadership, mais cela reste encore timide. Donc, on essaie de foncer, de creuser pour voir comment formaliser, faire du leadership comme un facteur, véritablement comme un facteur du développement. Alors, les modèles qu'on développe, c'est un modèle embryonnaire, c'est un premier pas qu'on fait. On s'inspire du cadre qui existe, la théorie des jeux coopératifs, tirée d'un ouvrage classique d'Ishishi. On part de l'idée d'après laquelle il existe une probabilité, lorsqu'on veut mettre en œuvre une réforme, il existe une probabilité que cette réforme puisse réussir et puis il existe une probabilité que cette réforme puisse échouer. Donc, lorsqu'on veut mettre en œuvre une réforme, c'est la paix réussie comme c'est la paix échouée. Donc, il y a une dimension risque qu'on est en train de prendre. Alors, nous avons défini psi comme étant notre la probabilité de réussite de la réforme, x comme étant la fraction de la population qui adhère à l'idée ou qui participe à cette réforme. Et puis, nous avons phi. Qui est qu'on définit comme étant les degrés de complémentarité entre participants. Supposons que vous voulez mettre en œuvre des réformes, vous prenez des incompétents, vous prenez 10 incompétents et 2 compétents. Donc, vous remarquez que la valeur de phi sera très faible puisque les degrés de complémentarité entre les compétents et les incompétents sera très faible. Donc, phi, c'est un paramètre qui est très important qui permet de déterminer les degrés de complémentarité entre les participants qui prennent part à la réforme. Mais si vous prenez, par exemple, des médiocres, vous les mettez ensemble, ils ont un degré de complémentarité très élevé. Donc, les médiocres ensemble vont bloquer, peuvent mettre en œuvre une réforme qui favorise le sous-développement, mais mettre, par exemple, des médiocres et incompétents, le degré de complémentarité sera faible puisqu'il y aura mésentente. Et enfin, A, ça détermine, puisque nous sommes dans un monde où il y a l'incertitude, ça détermine les degrés d'incertitude liés au processus d'exécution de la réforme. Alors, lorsqu'on met en œuvre une réforme, cela peut profiter soit à la majorité, soit à la minorité. Et donc, dans la fraction de la population participante, nous avons une partie de la population qui vient de la couche majoritaire et nous avons une partie de la population qui vient de la minorité. Alors, la minorité, c'est généralement l'élite. Alors, il y a trois états du monde. Cher Jean-Paul, cher Jean-Paul, vous m'écoutez? Oui. On vous a ajouté 5 minutes additionnelles. Hein. Vu la pertinence de votre présentation, on vous a ajouté 5 minutes additionnelles. Et là, que vous venez de les épuiser. Si vous, voilà. Bien noté. Je vais essayer de résumer. Peut-être que je vais partager par la suite le working paper. C'est ce qu'ils voudront voir. Donc, il y a 3 états du monde. Il y a les statico qui profitent aux groupes de pression, aux lobbyistes. Il y a l'état du monde 2 où le changement est possible mais profite uniquement à une minorité, hein, puisque rappelez-vous, mu, c'est une minorité. Et il y a l'état du monde 3 où la réforme profite non pas à la minorité, mais à la majorité. Donc, nous avons trois états du monde. Un état du monde où rien ne change, c'est-à-dire que le groupe de pression bloque tout. S'il y a un dirigeant politique qui veut mettre en œuvre une réforme, il sera bloqué et anéanti. Et il y a 2 autres états qu'on a appelés E2 et E3, où les changements sont possibles, mais les gains diffèrent. Donc, dans E2, les gains, c'est-à-dire la réforme profite à la minorité. Dans E3, les gains profitent à la majorité.
Alors, nous avons également les probabilités de réalisation pour chaque état qui est donné par là, puisque j'ai 5 minutes, il me reste 3 minutes. Nous avons également les coûts d'accès. Alors, l'équation D, c'est l'équation vraiment la plus importante de notre modèle, puisque c'est par là où on fait intervenir le leadership. Donc, nous supposons que nous sommes dans un monde où il y a l'incertitude, où la population n'a pas accès à l'information sur les états du monde, puisque l'accès à l'information est coûteux. Alors, le leadership, le rôle du leadership intervient à travers l'équation D, où il existe des personnes qu'on appelle des leaders, bon, pas nécessairement des leaders, mais un dirigeant politique, qui est prêt à payer ces coûts-là, qu'on entre par CPI, pour acquérir de l'information. Alors, si ce dirigeant est véritablement leader, il fera en sorte qu'il devra agir dans le sens de faire profiter la réforme à la majorité. Donc, ce qui fait que donc, les gains pour un leader, lorsque l'état D se réalise, est égal à zéro, hein, puisque lui veut que la réforme puisse profiter à la majorité. Donc, il va tout mettre en œuvre, il va travailler acharnement pour que la réforme puisse profiter à la majorité. Par contre, il y a également des dirigeants qui se disent, bon, on peut mettre en place la réforme, peu importe les gains. Si cela profite à la minorité, tant mieux. Hein, cela ne me dérange pas. Et d'autre part, si cela profite à la majorité, tant mieux. Ça ne me dérange pas. Donc, nous avons deux types de dirigeants. Nous avons des dirigeants partisans, où on va dériver ce qu'on appelle une fonction de demande partisane. Il y a des dirigeants non partisans que nous appelons leaders. Donc, en d'autres termes, tout dirigeant politique n'est pas forcément leader. Un dirigeant politique est leader uniquement si les gains à l'état du monde 2 est égal à zéro. Alors, partant de là, on introduit les coûts de participer, puisque nous avons défini tout à l'heure, nous avons dit que la probabilité de réussite d'un mérite de 2 minutes, donc la probabilité de réussite d'une réforme institutionnelle implique la participation. Et donc, par exemple, si on vous dit, OK, pour bénéficier, je prends juste un exemple illustratif, pour bénéficier de la bourse de BIC, il faut travailler, il faut distinguer. Alors, si vous passez tout votre temps à regarder la télé, c'est-à-dire que le coût pour vous de participer à la mise en œuvre de cette réforme est très élevé, donc ce qui fait que vous n'allez pas participer. Alors, il existe aussi des gens qui ont cette propension-là à participer facilement à la mise en œuvre des réformes. Donc, d'autre part, remarquez que nous avons deux possibilités. Nous avons la possibilité d'avoir une fonction de demande partisane et une fonction de demande non partisane. Donc, ce qui fait que dans la réalité, dans notre modèle, on aura une situation où il y a un dirigeant politique médiocre qui aurait également des adeptes, hein, puisque leur coût à participer dans l'activité de médiocrité sera faible, hein, ce qu'on appelle les kappa, et il y aurait également une fonction de demande d'interaction non partisane où le coût sera par contre élevé. Hein, ici, c'est intervalle ouvert puisqu'on exclut zéro. Donc, le coût sera élevé qui va tendre vers kmax. Et en faisant les manipulations mathématiques, dont on obtient cette fonction qu'on appelle la fonction de demande d'interaction partisane. Et cette fonction devient une fonction de demande d'interaction non partisane si cette probabilité est égale à 0. Hein, cette probabilité est égale à 1. C'est-à-dire qu'on est sûr que l'état du monde, étant donné les gains escomptés, l'état du monde à l'état 3, qui est l'état où la réforme va profiter à la majorité va se réaliser. Donc voilà un peu en résumé, malheureusement j'ai pas assez de temps. Donc il y a lieu maintenant de tirer des implications par rapport à ça, c'est-à-dire quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour faire du leadership un facteur de développement. Donc vous comprenez que les leviers ne seront d'autres que ces paramètres qui est A, gamma et puis kappa. Donc je pense que dans les jours à venir, on va partager bien sûr avec l'accord de mon co-auteur, on peut partager le working paper pour plus de détails. Donc, en résumé, mon propos porte sur un point essentiel, c'est de dire que nous avons dans la théorie 5 possibilités qui peuvent expliquer pourquoi certains pays sont riches et d'autres sont pauvres. Nous avons la malédiction du climat, la malédiction du binôme Kilty-Rath, la malédiction des programmes d'ajustement structurel, la malédiction des ressources naturelles et la malédiction des institutions. Alors, notre position, nous montrons que la vraie malédiction est fondamentalement celle des institutions et que les autres malédictions sont en réalité des artefacts, c'est-à-dire ne sont pas
Les vraies malédictions, c'est juste des coïncidences qui se créent. Et nous soutenons que, ce qui est plus important, nous soutenons qu'en plus de la malédiction des institutions, il existe une autre malédiction qu'on appelle la malédiction du leadership. Et cette malédiction est antérieure à celle des institutions. Donc, c'est l'objectif du projet de livre qu'on a, c'est de montrer effectivement que la malédiction du leadership est antérieure à la malédiction des institutions et que les autres malédictions sont en réalité des artefacts. Voilà en résumé les propos de mon exposé. Merci beaucoup. Je pense que le modérateur a un problème avec le micro. On n'arrive pas à l'entendre. Je me permets de prendre la parole. Nous allons de surcroît passer aux questions et réponses. Je vois que je suis là. Ok, je vais continuer. N'entendons pas. Bonjour. Nous ne vous entendons pas, cher Jafet. Je suis là. Vous m'attendez là-bas? Allô? Allô? Oui, oui, vous pouvez parler. Vous m'attendez là-bas? Ok. Cher Abdel, vous pouvez poser votre question. On ne va pas rester à cette minute-là. D'accord. Alors, merci beaucoup. Cher Paul, pour votre brillante présentation. Allô? Ok. Vous pouvez poser la question, s'il vous plaît, cher Abdel. Je crois que le problème a été résolu. Merci beaucoup. Je suis Abdel Koutanguila, étudiant en économie. Merci beaucoup, cher Jean-Paul Tsassa, pour votre intervention très brillante. J'aurais voulu que la conférence soit encore rallongée vu la pertinence et la technicité du sujet que vous traitez. Je ne sais pas si c'est une question ou une observation, mais je pense que c'est plutôt dans le sens d'observation. L'auteur, disons, les deux co-auteurs ont présenté, ont ramassé dans la revue de la littérature les malédictions possibles des causes de la pauvreté qu'ils ont appelées malédiction 5. Et ils ont donc présenté leur thèse qui est plutôt la malédiction du leadership. Ben, lorsque je vois plutôt la littérature non économique, je suis économiste, mais je vois la littérature historique, je suis dans l'école de Cher Antadiop, qui montre plutôt que la malédiction, donc la pauvreté dans laquelle nous sommes, peut être plutôt due par une perte d'identité que nous avons eue, que nous subissons. Et la perte d'identité est due au fait de la corruption de l'histoire. L'histoire a été corrompue et l'enseignement que nous avons aujourd'hui et corrompu l'histoire qu'on nous enseigne. Si je peux placer leur point de vue, je veux le placer dans le contexte de la malédiction du binôme culture-race, tel que l'occidental a enseigné que nous étions maudits à cause de notre race. Et pour des chrétiens, ça a même subi une mauvaise interprétation de la Bible pour dire que Noé avait maudit sa descendance noire. Donc moi, je pense qu'il y a une malédiction du leadership qui peut être antérieure
aux autres malédictions, mais je suggère plutôt une connexion de la malédiction du leadership avec la prise en compte de notre identité. Est-ce que notre leadership a été corrompu, a été, excusez-moi d'utiliser le terme corrompu, à cause du fait que nous avons, l'histoire a été falsifiée et on nous a enseigné que nous étions une race inférieure et alors nous avons perdu les leaderships. Bon, nous avons perdu notre vision, la vision que l'Africain avait du monde. Et je veux rappeler les quatre éléments que l'auteur, que les auteurs mettent dans les leaderships. Et je veux vous dire que l'Africain avait tout cela, l'Africain globalement, hein, pas les Congolais seulement. Et lorsque l'Africain est apparu dans l'univers, il a dû faire face à des chaleurs très élevées. Il a migré en Europe avec des températures très basses, inférieures à 100, à moins 100 degrés. Mais il a dû s'adapter. Et vous savez que l'Égypte, c'est la civilisation la plus grande. C'est la nation qui a donné la civilisation au monde. Est-ce qu'il y a possibilité de linker, de faire un link, une connexion entre la malédiction du leadership avec la malédiction de la perte d'identité. Je ne sais pas comment bien l'appeler. C'est juste une observation que je voulais faire aux auteurs s'ils peuvent intégrer ça. Merci beaucoup. Oui, Daniel, je peux répondre? Bien sûr, vous pouvez parler, vous pouvez interagir directement. Merci. Donc, la question adressée par Abel est très pertinente et ça cadre un peu, puisque dans ce que nous avons fait, nous avons procédé en deux temps. Donc, nous avons essayé de documenter, comme vous le voyez ici, puisque, comme Abel essaie bien dire que la malédiction. Leadership intérêt à la malédiction des institutions, c'est vraiment un grand risque. Et donc, pour prétendre les dire comme ça publiquement, il faut suffisamment avoir des éléments de preuve. Alors, donc, ce qui fait que nous avons essayé un peu de passer en revue vraiment l'histoire profonde. Hein, ce que vous dites là, la migration, c'est très important. Donc, nous avons essayé de passer l'histoire profonde en prenant, puisque l'Égypte est l'une des plus grandes puissances que le monde a connues, la civilisation humaine a connue. Donc, nous avons passé en revue la civilisation égyptienne, comprendre pourquoi l'Égypte a perdu de sa puissance. Nous avons pas après passé en revue également l'Empire achéménide. Donc, vous vous rendez compte que les puissances ont migré d'une civilisation à une autre. Donc, nous avons la civilisation égyptienne, achéménide, et ainsi de suite. Donc, dire que la malédiction, si on peut appeler la malédiction d'identité, est fondamentale, oui, je suis d'accord, mais cette malédiction prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le leadership. Notamment si l'homme blanc, disons les chercheurs, pas l'homme blanc en général, mais ceux qui ont falsifié l'histoire égyptienne, l'histoire africaine, l'histoire africaine est intimement liée à l'histoire égyptienne. L'ont fait, pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision plus en avance par rapport à nous. Donc, ils avaient un certain leadership plus éclairé par rapport à nous, même si leur mission était obscure. Donc, ils ont eu ce leadership-là, ils ont eu les dessus pour les faire. Donc, je suis parfaitement d'accord que la corruption de notre identité fait partie d'une faiblesse de nos leaders. Donc, un leader a pour mission, si vous vous rappelez, les quatre éléments que j'ai évoqués, notamment de résister aux groupes de pression, mais également de surmonter les différentes difficultés. Alors, la capacité ou l'incapacité pour nous de ne pas les faire explique en quelque sorte cette défaillance. Donc, je pense même qu'il y a une phrase où on résume vraiment pour dire que les changements dans l'histoire ou les cycles dans l'histoire est dit essentiellement à l'incapacité. Si vous me permettez de lire, je vais dire ceci. Dans l'histoire classique, lorsque les leaders dominants atteignent ce que nous appelons la pleine capacité d'affiner ou de préserver la suprématie de sa vision,
face au groupe de pression, on parle de l'apogée. Donc, par ailleurs, lorsque les leaders dominants, hein, le leader dominant n'est pas forcément une personne, comme on l'a vu, ça peut être toute une civilisation. Ici, c'est le cas de l'Égypte. Donc, lorsque le leader dominant atteint ce que nous qualifions de quasi-incapacité d'affiner ou de préserver la suprématie de sa vision face au groupe de pression, dans ce cas, on va voir le groupe de pression, ce sont tous ces chercheurs-là qui ont falsifié l'histoire authentique, comme les regrette Tchèque en Tadiop. Donc, on dit que l'histoire classique nous parle du déclin. Donc, en quelque sorte, le déclin ou encore cette domination nous imposée par cette vision biaisée est liée en quelque sorte à la quasi-incapacité, ce qu'on doit appeler la quasi-incapacité d'affiner ou de préserver la suprématie de notre vision. Ou au lieu de parler même de suprématie qui peut prêter à confusion, on peut parler de l'intégrité, hein, de la vérité historique. Donc, en quelque sorte, pour répondre à la question, je suis parfaitement d'accord avec le fait que notre identité soit également un mobile qui peut expliquer la dépendance qu'on connaît. Mais nous, on les connecte, on connecte au fait cette incapacité de préserver notre identité à une défaillance de leadership. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. On prendra la prochaine question. Je vois que beaucoup de gens réclament que vous avez eu peu de temps, donc sous votre autorisation, je pense que nous pouvons répondre à toutes les questions. De cette manière, vous allez exprimer tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de le faire. On prendra encore Cédric Tombola, qui était qui a levé sa main. Vous pouvez activer votre micro et poser la question. Merci, cher. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Oui. Okay, merci. Je voudrais à mon tour également féliciter les professeurs Jean-Paul Nsas pour sa présentation, sa brillante présentation. En tout cas, il faut avouer que ça nous laisse sur notre soif. Hein, surtout allez droit au but, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de questions qui attendent. Merci. Alors, professeur Nsas a parlé des dérivations de la demande et l'offre du leadership suppose l'existence d'un marché du leadership. Alors, ma première question est de savoir qui sont acteurs sur ces marchés du leadership, qui sont du côté offre et qui sont du côté demande. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, on n'a pas bien suivi à la fin la dérivation des équations, on verra avec les papiers que vous allez partager, mais en définitive, la demande et l'offre du leadership sont fonction de quoi principalement? Et sur le question 2, vous parlez de l'accès à l'information. Est-ce que vous pouvez nous préciser, il s'agit de quelle information? Et il s'agit de l'accès de qui à l'information? Est-ce que des offreurs ou des demandeurs sur ces marchés du leadership? Et enfin, vous avez parlé de la malédiction du leadership. La question, c'est de savoir d'où viennent finalement les écarts en termes de leadership. Parce que si c'est l'élément déterminant qui explique que certains pays, comme le Brésil, ont pu émerger en 60 ans et d'autres non, comme la RDC, si vous expliquez cela non par les écarts en termes de dotation en ressources naturelles, mais par leadership, d'où viennent finalement les écarts en termes de leadership? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on peut parler d'une dotation par pays en termes de leadership? Merci. Magnifique. Je dois avouer que ce sont des questions qui sont très difficiles à répondre. Je vais au fait donner des réponses par rapport au cadre d'analyse qu'on explique, qu'on a développé. Mais on doit admettre que le cadre d'analyse n'est qu'une représentation simplifiée du monde qu'on peut enrichir par la suite. Mais c'est sympa. On va aller avec. J'espère qu'on va donner... on va trouver une partie des réponses à vos questions qui, j'avoue, que sont des questions très compliquées. Alors, c'est vrai, au niveau de la présentation des équations, cela n'a pas été correctement fait puisque nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Alors, l'équation 1, pour répondre très rapidement. Au niveau de l'équation 1, nous avons ce qu'on appelle, les psi ici représentent la probabilité des réussites d'une réforme. Le
Les A représentent les degrés d'incertitude. Les phi représentent la complémentarité entre participants. Et X, ce sont les participants. Donc, on comprend que dans un environnement très incertain, la probabilité de réussir une réforme est très faible. Donc, ce qui fait que toute forme d'incertitude n'est pas vraiment souhaitée. Une incertitude créée par les tensions politiques n'est pas très favorable aux réformes. Une insécurité créée par la guerre ou l'insécurité n'est pas... Donc, toute forme d'incertitude affecte négativement notre réforme. Donc, on comprend déjà plus que par la suite, nous allons dériver la demande de leadership. Et donc, on comprend que l'incertitude, c'est un des facteurs qui peut expliquer l'écart en termes de leadership. Donc, c'est difficile de dire qu'un pays où l'incertitude, le degré d'incertitude est élevé, se développe comparativement à un pays où le degré d'incertitude est faible. Donc, c'est difficile d'affirmer cette assertion. Mais le contraire peut être aisément affirmé. Bon, reste encore à porter des preuves. Alors, l'équation 2, c'est une équation qui est également très capitale. Donc, je vais retrouver. Donc, on a les C ici, c'est les coûts. Puisque nous avons dit qu'il y a trois états du monde. Donc, il y a un état du monde où les statu quo, c'est-à-dire les classiques, les groupes de pression, les lobbyistes refusent avec une probabilité P1 toute forme de changement. Donc, ils militent pour les statu quo. Et donc, s'il y a un dirigeant politique qui vient pour mettre en œuvre une réforme qui peut impliquer des changements, ce dirigeant-là doit être écrasé. Donc, ce qui fait que l'utilité pour cet état du monde est nulle et même négative, puisque ça défavorise et la population, puisque la réforme ne va pas profiter à la population ni à la minorité, et ni même aux dirigeants. Donc, on va se concentrer sur la possibilité de l'état du monde 2 et 3. Et donc, la population n'a pas accès à l'état sous-jacent du monde, hein, puisque toute la population moyenne, on suppose qu'un citoyen moyen n'a pas la possibilité pour payer les coûts requis pour accéder à cette information. Et donc, il existe une classe de leaders, de dirigeants, pardon, qui peuvent payer ces coûts-là pour accéder à l'information. Alors, si un dirigeant est véritablement leader, il va payer ces coûts-là, qu'on appelle CH, et après, une fois qu'il accède à l'information, il va partager cette information avec la population. Et donc, un dirigeant va payer ses PI, tout en sachant qu'on a deux possibilités. Donc, il peut payer ces coûts-là. Si on a la possibilité où le dirigeant est partisan, donc lui, même s'il sait que c'est l'état du monde D qui a la plus grande chance de se réaliser, ça ne le dérange pas, ça l'arrange, puisqu'il fait partie, le dirigeant fait partie de la minorité. Par contre, si le dirigeant politique est non partisan, c'est-à-dire les leaders, lui, il va œuvrer de manière acharnée pour faire en sorte que l'état étroit uniquement se réalise. Et donc, qui c'est au fait en quelque sorte l'habilité des dirigeants politiques d'identifier les opportunités. Donc, cette habilité-là n'est pas uniquement réservée aux leaders. Même les dirigeants partisans ont cette habilité-là. C'est-à-dire, les médias aussi ont une certaine habilité d'identifier les opportunités de changement. Et le PI, en quelque sorte, ça dénote la probabilité que, bon, on suit un peu la même forme fonctionnelle que 1. Dans le PI dénote la probabilité qu'un dirigeant, donc une fois qu'on paye les coûts, c'est la probabilité qu'un dirigeant puisse effectivement accéder à l'information. Alors, les gains générés par la mise en œuvre d'une réforme est donné par G. Bon, on prend une fonction, à l'équilibre, il y a l'égalité, ici on écrit forme d'inégalité. Et donc, qui c'est l'habilité pour les dirigeants d'accéder d'identifier les opportunités de changement. Gamma, en fait, c'est la proportion de... Puisque lorsqu'on veut faire, on veut mettre en œuvre une réforme, on a besoin de X. Hein, c'est que nous avons la fraction de la population. Et X, ça doit être mobilisé.
Et donc, la capacité pour un dirigeant de communiquer hein, permet d'identifier, c'est-à-dire d'atteindre une certaine masse. Donc, c'est-à-dire, gamma, c'est la fraction de la population qui ont capté les messages du dirigeant politique. Et donc, on voit que les messages d'un dirigeant politique peuvent être captés par la population, même si ce dirigeant-là est médiocre. Donc, c'est là où il y a vraiment cette interaction. C'est-à-dire qu'un dirigeant peut être médiocre, mais il a une capacité d'attirer une fraction gamma de la population à travers son message. Donc, ce qui fait aussi que dans les leaderships, la dimension communication est très importante, puisque vous pouvez être un bon dirigeant politique, c'est-à-dire un leader, et vous n'avez pas une bonne capacité de communication, et qu'en parallèle, il y a un médiocre qui a une bonne capacité de communication. Il se fera que le médiocre va mettre en œuvre sa réforme, mais qui va profiter uniquement à une minorité. Et vous avez peut-être une bonne capacité d'identifier les opportunités, mais pas celle de communiquer. Donc, votre réforme va échouer puisque l'adhésion sera faible. Les psi ici. Si X est faible, les psi automatiquement sera faible. Alors, si base de ces prémices, donc ici, on détermine également les coûts. Ça, c'est les coûts que payent les coûts de participation des adeptes, hein, qui est faible puisque ils ont presque la probabilité nulle pour participer. Donc, c'est aussi un point important. Bon, je ne l'avais pas évoqué. Donc, vous verrez, par exemple, dans des marches, si aujourd'hui on demande Abel qui est à Kinshasa ou Cédric ou Daniel, on vous dit, OK, aujourd'hui on va marcher, on va quitter Njili jusqu'à Palais du Peuple. Le coût pour nous de sortie sera très élevé. Mais pour certains adeptes, le coût sera tellement faible qu'ils vont se mettre sur la rue. Et donc, si un médiocre sait capter cette réalité-là, il va communiquer, il va avoir un gamma qui sera favorable à son message et donc il va attirer des adeptes. Donc, ce qui fait que dans notre modèle, à l'équilibre, il y aura des adeptes, même pour les dirigeants qui sont médiocres, et il y aura des adeptes pour les dirigeants qui sont bons. Et même la probabilité qu'il y ait beaucoup d'adeptes pour les dirigeants qui sont médiocres est élevée. Pourquoi ? Parce que les adeptes ont un coût faible pour adhérer à un message, quelle que soit la qualité. Mais par contre, par exemple, si on prend un boursier de Bébic, on dit, bon, OK, on va descendre la rue avec des polos, des culottes, il va réfléchir par deux fois. Mais pour une personne simple, un militant, lui va descendre promptement sur la rue. Donc, ce qui fait que ça crée un contrepoids au niveau de la fonction de demande de leadership et d'interaction de leadership. Donc ici, c'est la probabilité, c'est la perception pour la majorité de voir que l'état 3 peut se réaliser. Et à partir de toutes ces prémices-là, on dérive cette fonction qu'on appelle la fonction d'interaction partisane, au fait qui en réalité dépend de ces paramètres-là. Et donc, pour répondre à la question, l'écart, on peut le trouver, la réponse, on peut le trouver par rapport aux différentes valeurs qu'on peut assigné à ces paramètres. Donc, on peut dire, bon, par exemple, pour les pays qui ne se développent pas, certainement, il y a tel paramètre qui est plus élevé que d'autres, qui explique qu'en fin de compte, on a une fonction de demande d'interaction qui est moins favorable comparativement à des pays qui sont développés. Donc, voilà un peu une tentative de réponse à ces questions qui sont assez merci. Merci beaucoup. Il y a cette question que nous allons nous permettre de prendre de la part de Ephrem. Ephrem, c'est parmi nos boursiers Bébouk en économie actuellement et il a plusieurs fois demandé la parole. Ephrem, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher Daniel. Vous m'écoutez? Bien sûr. Oui, alors, je voudrais féliciter Monsieur Jean-Paul pour sa présentation très intéressante et aussi pour un sujet très, très innovant en économie. Une première observation que je voudrais lui faire, s'il ne trouve aucun inconvénient, c'est d'essayer d'intégrer aux caractéristiques qu'il a données pour le leadership et l'empathie. Je pense que l'empathie ferait une bonne affaire s'il intègre aux caractéristiques de leadership qu'il a données. Alors, la thèse qu'il est en train de soutenir ici, c'est de dire que la malédiction de leadership est antérieure à celle des institutions. Je voudrais qu'ils nous disent d'où vient cette malédiction.
D'où vient cette malédiction? Puisqu'en fait, la malédiction, c'est comme quelque chose mystique, quelque chose mystérieuse. Ça vient d'où? Et on aurait beaucoup plus l'impression de penser qu'on ne s'en sortira jamais. Et aussi, je voudrais qu'il nous dise, s'il ne trouve aucun inconvénient, comment il a intégré la malédiction à son modèle. Est-ce qu'il a juste pris le concept de malédiction ou il a aussi dérivé d'un point de vue académique, d'un point de vue scientifique, il a su l'intégrer dans son modèle, éventuellement aussi nous dire comment il a mesuré la malédiction. Autre chose, je suis beaucoup plus curieux des questions qui venaient d'être posées. J'apprécie qu'il parle de leadership à un niveau macroéconomique et qu'il nous parle du marché du leadership, mais je suis resté sous ma soif par rapport à comment se réalise l'équilibre sur ces marchés. Quelle est la variable qui permet d'égaliser l'offre à la demande de leadership comme sur les marchés du travail, c'est les salaires, comme sur les marchés des biens et services, on sait, c'est les prix, comme sur les marchés de la monnaie, c'est les taux d'intérêt. Alors, pour le cas spécifique de ces marchés qui n'est pas vraiment documenté dans la littérature, quelle variable permet d'assurer l'équilibre? Et aussi, je voudrais lui demander, son modèle ici, est-ce un modèle statique ou c'est un modèle dynamique? Et comment a-t-il intégré, s'il y a pensé, cet aspect de statique ou dynamique à son modèle? Évidemment, il a parlé de la probabilité de réussite d'une réforme. Et à un moment, j'ai l'impression que ce qui le rend variable endogène, c'est la réussite d'une réforme. Alors, peut-on définir un leader seulement en référence à la réussite d'une réforme ou faut-il que quelqu'un initie une réforme pour qu'il devienne leader ou quelqu'un est leader par nature même lorsque il n'y a aucune action qui pose comment la réforme vient et comment la réforme constitue un élément de départ de son analyse. Merci. Ok, parfait. Je pense qu'il y a l'empathie. En fait, il y a lieu de... Lorsqu'on vous consulte, vous prenez juste le temps de consulter la documentation sur le leadership, vous verrez qu'il y a une centaine de définitions sur le leadership. Donc, nous, notre travail, c'est d'essayer un peu au départ, lorsque je posais les cadres de ma présentation, j'ai parlé du jargon, j'ai insisté sur la dimension mathématique, c'est-à-dire apporter de la rigueur et de la cohérence dans notre démarche. Donc, notre idée n'est pas d'avoir un concept qui englobe toutes les définitions du leadership, mais plutôt d'avoir un concept qui nous permet de traiter la question du leadership de manière rigoureuse et cohérente. C'est un peu ça la nuance et c'est important de le retenir. Alors, c'est une question qui est très importante qui a été posée également par le DG Tombola tout à l'heure lorsqu'on parle du marché du leadership. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de leader. Ephrem ne peut pas être leader tout seul. Pour être leader, on suppose qu'il y a interaction partisane. C'est-à-dire qu'il y a Ephrem et puis il y a une communauté. Donc, on ne peut pas être leader tout seul, non. On est leader au sein d'une communauté. Et donc, le marché du leadership, c'est entre les adhérents à la vision, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, ce qu'on appelle l'interaction partisane. Bon, lorsqu'il s'agit... d'un dirigeant médiocre, il s'agit de l'interaction partisane. Lorsqu'il s'agit d'un dirigeant, d'un leader, on parle de l'interaction partisane ou encore des fonctions de leadership. Donc là, c'est pour les marchés. Et donc, dans les modèles, donc, nous avons la demande du leadership, dont la demande qui dépend des facteurs qu'on a énumérés, notamment la capacité pour les dirigeants à communiquer. Il y a également donc il y a quatre principaux facteurs à retenir, dont notamment l'habilité pour un leader à identifier dans des circonstances et moments appropriés. Hein, c'est vraiment les termes sont bien choisis à des circonstances et des moments appropriés des opportunités de changement. Donc
toute personne, pour répondre également à une question que vous avez posée, toute personne est potentiellement leader. On n'est pas forcément leader, on peut devenir également leader, puisqu'on peut rencontrer ces propriétés qu'on définit, puisqu'on a nous avons défini des propriétés précises du leadership. Et donc, on est potentiellement leader, et donc ces potentiels-là peuvent être matérialisés si on rencontre les quatre propriétés qu'on vient de définir, donc notamment l'habilité pour la personne à identifier dans des circonstances et des moments appropriés. Et que si on prend par exemple certaines décisions prises par Churchill, étaient bonnes puisque c'était dans des moments et circonstances appropriés, ou George Washington ou d'autres leaders qu'on connaît, Nelson Mandela et autres. Deuxièmement, nous soutenons que l'efficacité d'un dirigeant politique dépend de la capacité à attirer et à conserver un groupe de collaborateurs et des partisans engagés. Puisque nous parlons des interactions partisanes. Donc, si un leader n'a pas cette capacité d'attirer et de conserver un groupe de collaborateurs et des partisans engagés, il y aura un biais, il y aura un écart. Hein, tout à l'heure, DG Touba a parlé de l'écart de leadership. Puisque aujourd'hui, on peut être un dirigeant politique, on a cette capacité d'attirer et de conserver un groupe de collaborateurs partisans. On peut être médiocre. Bon, c'est un peu l'antithèse du leadership. Mais du moins, on a cette capacité. C'est là où c'est vraiment la complexité entre la fonction de demande non partisane et la fonction de demande partisane. Puisque un médiocre aussi peut avoir cette capacité-là d'attirer et de conserver un groupe. Et une fois qu'on a ce groupe-là, ça devient un outil qu'on peut utiliser pour infléchir la marche d'une économie. Et donc, soit favoriser le développement ou bloquer le développement. Et donc, ce sont vraiment des facteurs qui nous permettent de déterminer de manière théorique et précise comment le leadership peut être utilisé pour le développement ou pour les réformes institutionnelles. Alors, le modèle est-il dynamique ou statique? La réponse est c'est statique. Donc, c'est un modèle qui est vraiment très embryonnaire et on doit reconnaître que beaucoup d'efforts restent à fournir puisque les concepts a priori apparaissent évidents, mais c'est très difficile, hein, puisque lorsqu'on voit, ceux qui connaissent, voient la littérature des institutions, notamment vers Acemoglu, ils reconnaissent que le leadership, c'est important pour les institutions, mais c'est très difficile pour formaliser. Et donc, le modèle qu'on développe, c'est un modèle qui est statique, mais bon, c'est un début. Je pense qu'avec le temps, il y aura des gens qui peuvent aussi le dynamiser. De peut-être nous-mêmes dans les recherches. Alors, la connexion entre la réforme et le leadership, tout à l'heure, lorsque j'ai fait ma présentation, j'avais incité sur ça un moment. Donc, lorsque je l'avais même noté en rouge. Hein. Donc, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans réforme institutionnelle. Donc, étant donné qu'on ne peut pas parler de développement sans réforme institutionnelle, donc nous, dans notre modèle, nous avons jugé bon de créer une connexion entre leadership et réforme. Et cette connexion-là intervient dans la partie où nous disions qu'il y a... donc, la population ne peut pas accéder à l'information qui détermine l'état du monde sous-jacent. Qui peut se réaliser et qu'il y a certaines personnes qui ont ces privilèges-là, des dirigeants, qui sont prêts à payer ces coûts-là pour accéder à l'information. Et si c'est un leader, il va les partager avec la population. Par contre, si ce n'est pas un leader, il va les garder pour seul, puisque nous avons dit que pour un leader, GD égale à zéro, mais pour un dirigeant partisan, GD peut être supérieur à zéro. Donc, voilà un peu les éléments de réponse à vos questions. Merci. Merci énormément pour la contribution. Je pense que selon les demandes, nous allons prendre cette dernière question vu que c'est la dernière personne à avoir levé la main. Cher Gostier Zoïna, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez aller droit au but pour que l'intervenant ait plus de temps pour aller en détail de ses réponses. Vous pouvez activer votre micro parce que nous ne vous entendons pas. C'est bon? C'est bon maintenant. Ok, merci pour la question. Bon, j'aimerais d'abord féliciter le professeur Jean-Paul Tiassa
pour sa présentation en bref. Bon, ma question est celle de savoir, étant donné que le leadership qu'il a évoqué ici est macroéconomique, dans l'équation du départ, là où il a parlé de la probabilité des réussites, bon, j'aimerais qu'il présente d'abord une identité macroéconomique de cette équation où, comme il va estimer cette équation, bon, peut-être nous mettre une équation comportementale. Ça, apparemment, il y a une seule relation de proportionnalité. Je ne sais pas si j'ai bien compris vraiment son équation de départ. C'est ça ma préoccupation. Ok. Très bien. Je pense que, donc pour répondre à votre préoccupation, il y a deux choses à préciser. La première est que nous sommes en théorie des jeux. Nous sommes en théorie des jeux. C'est très important de toujours se rappeler de ça. Et donc, ce que nous on fait, c'est d'étudier les interactions entre agents économiques. Ces interactions-là peuvent être non coopératives, tout comme ça peut être coopératif. Et ici, nous sommes dans une dimension spécifique où les interactions sont coopératives. Alors, l'ambition première n'est pas vraiment d'aller dans le sens de l'économétrie, où il faut estimer, mais c'est plutôt de déterminer des relations qui peuvent nous permettre de dériver l'équilibre. Donc, si j'avais, par exemple, le temps, j'allais démontrer qu'on peut dériver un équilibre de Nash, un équilibre assez parfait de Nash, puisque nous avons un modèle qui est bayésien où il y a l'incertitude. Alors, concernant l'agrégation, c'est une question qui est très importante puisque aujourd'hui, vous savez que tout comportement macroéconomique a toujours des fondements micro. Hein, donc, on parle de ces fondements micro pour agréger. Alors, pour répondre directement à cette question, je ne l'avais pas repris dans les papiers, mais c'est dans l'exposé, mais c'est une question qui est très importante. Donc, on part ici, vous remarquez qu'on parle à l'équation 1, on parle d'une fraction. Hein, donc, une fraction de la population. Après, on va dériver les coûts que va payer un leader, un dirigeant politique, pardon, et puis les coûts que va payer un adepte. Et à la fin, on procède à l'agrégation. Hein, donc, nous avons ce que nous avons appelé, dès lors, en agrégeant. Donc, vous comprenez qu'on part, on passe vraiment à la dimension macroéconomique. En agrégeant la fraction totale des personnes qui vont effectivement participer au processus de changement sont telles que c'est donné par cette équation 11. Donc, automatiquement, si on remplace cette fonction, cette équation 11 dans l'équation 1, donc on obtient une autre équation qui est la probabilité qui dépend des grandeurs macroéconomiques. Hein, donc, nous sommes au niveau macro. Voilà la réponse que je peux réserver à cette question. Ok, merci beaucoup. Cher Freddy Bangeles, vous avez toujours la question ou la réponse a déjà été trouvée? Je pense que je peux dire qu'Ephraïm a très bien posé ma question. Ok, d'accord. Je veux me permettre de lire ce qui est écrit dans le chat actuellement. On vous demande si ce serait possible de renommer le terme malédiction à un autre terme un peu plus positif avec une idée d'en sortir, genre peut-être le frein en lieu place de malédiction. Et l'auteur continue à dire, puisque c'est la malédiction, en sortir devient une illusion, même avec des modèles mathématiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, c'est juste question de jargon. En fait, on s'aligne au jargon, puisque dans la littérature économique, il existe ce qu'on appelle des malédictions. Donc, on parle de malédiction de ressources naturelles et donc on a juste emprunté ces jargons-là pour généraliser un peu ces malédictions-là dans d'autres concepts. Mais on trouvera dans la littérature, il y a vraiment des citations où je peux indiquer la page où vous trouvez le terme malédiction qui est effectivement repris. Ok, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Et encore une fois, nous sommes désolés pour les quelques interruptions qui ont eu lieu, mais nous avons pu résoudre le problème rapidement.
Et je remarque également qu'il y a beaucoup de suggestions dans le chat voulant savoir si ce serait possible que vous reveniez une seconde fois pour poursuivre et continuer. Mais étant seul présentateur, et je pense que nous pouvons en discuter, je voulais juste vous faire la demande en public et on peut avoir la réponse peut-être en privé si possible. Oui, sans hésiter. Vous savez très bien, c'est un secret pour personne. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour Bébic. Et puis, c'est toujours un plaisir pour moi d'interagir avec des jeunes brillants. Des fois, on me dit, mais pourquoi vous parlez des jeunes brillants? On doit favoriser l'excellence. Parce que exceller dans des conditions congolaises, ce n'est pas facile. Comme on l'a vu avec le leadership, il y a toujours des contraintes. Donc, ce serait un plaisir pour moi d'interagir. Bon, peut-être pas au mois d'août, on va s'arranger avec Daniel dans un mois à venir. Merci, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, BEBUC, c'est l'acronyme de Bourse d'excellence Brinkmann aux universités congolaises. C'est un programme qui œuvre et qui a déjà porté des fruits en République démocratique du Congo pendant plus de 10 ans. À BEBUC, qu'est-ce que nous faisons? L'objectif majeur de BEBUC, c'est de former la nouvelle classe, le nouveau corps professoral des universités congolaises. Nous œuvrons dans plusieurs universités au Congo, l'Université de Kinshasa, l'UPC, et même en province, nous sommes aussi à Lubumbashi, au Kasai, et en partenariat avec aussi certaines écoles, même du primaire et du secondaire. J'ai été recruté à BEBUC depuis le Moamba, et bientôt je finis ma licence. Magnifique. Ok. Et BEBUC, c'est une initiative du professeur Brinkmann et son ami, le professeur Viri Mamudogo, qui sont venus avec cette initiative et ils sont en collaboration avec plusieurs personnes excellentes comme prof Karine Joko, qui est très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et ils sont en train de faire un grand travail pour les jeunes Congolais en leur offrant l'opportunité d'étudier, de poursuivre des études universitaires et ensuite revenir au Congo et entamer une carrière de chercheur et professeur dans les universités congolaises. Oui, Daniel, si vous permettez... Pour savoir plus, vous pouvez nous contacter. Bien sûr, vous pouvez parler. Vous permettez juste... je pense que c'est une question qui est importante. Je vais juste donner l'effet visuel, puisqu'on demande... Un mois, ils ont demandé comment se crée l'offre et la demande de leadership. Je pense qu'après, je vais envoyer les papiers. Bon, je vais avoir l'autorisation du correcteur pour. Je vais envoyer les papiers à Daniel et puis Daniel verra comment il peut distribuer les papiers au sein du réseau. Mais de manière visuelle, on peut voir que l'offre et la demande du leadership peut être représentée de manière graphique comme suit. Donc, au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons ce que nous avons appelé l'inverse de la qualité des interactions. Au niveau de l'axe des abscisses, nous avons la capacité du dirigeant politique. Et donc, nous voyons que c'est scindant en D. À gauche, nous avons les dirigeants politiques qui ne sont pas leaders, donc les dirigeants partisans. Et à droite, nous avons les dirigeants non partisans. Donc, il y a un équilibre qui se crée, mais cet équilibre est idéal. L'idéal, c'est l'optimum. Mais en réalité, on peut se situer à gauche. Hein, lorsqu'on est à gauche, on est dans cette zone, on a un leadership déficitaire puisqu'on a les dirigeants politiques qui ne sont pas des leaders. Et lorsqu'on est dans cette zone, ici, on a un leadership efficace, même si on n'est pas forcément à l'équilibre. Donc, c'est juste une précision par rapport. J'ai vu 3 questions sont revenues sur ça. Donc, il y a effectivement possibilité d'exprimer la demande de leadership sous forme graphique, visuelle, et puis faire des analyses interactives. Merci, Daniel. OK. Merci, merci, merci énormément. Je pense que ce sera là la fin de notre séminaire d'aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à notre responsable, le Prime Speaker, si vous avez un commentaire, quelque chose à dire par rapport à la présentation. OK, merci beaucoup, M. Daniel, pour la parole. Je tiens à remercier M. le professeur Jean-Paul Tassa pour sa brillante présentation. Ma demande était que, si ça peut être possible, les autres questions du chat lui soient transmises pour qu'il ait peut-être la possibilité de nous envoyer les réponses même plus tard. Alors, je tiens à rappeler tous les boursiers que
prochainement, nous allons procéder à la récolte des candidatures pour publier dans les newsletters. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une un achievement qui est très important, il peut vouloir que cela soit publié dans les newsletters. Veuillez nous contacter. Merci beaucoup et merci beaucoup à nous tous d'avoir participé. Bonne soirée à tous. Merci énormément. Nous étions à plus de 70 personnes, plus de 70 personnes. Nous sommes reconnaissants et nous allons continuer à nous améliorer dans l'organisation de ces séminaires qui ont des objectifs bien précis. Et il n'y a pas meilleur endroit que là où on peut partager la connaissance pour le développement de notre pays qui nous tient tous à cœur. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas pu comprendre la partie anglaise, la langue anglaise, c'est la langue de Bebuc et au travers de notre premier présentateur, nous avons voulu vous présenter c'est quoi Bebuc et quelles sont les qualités des recherches qui sont faites par nos scholars, nos étudiants. Merci énormément d'être resté là jusqu'à la fin et nous vous prenons rendez-vous dans un futur proche. Merci. Nous sommes libres de quitter et je veux arrêter l'enregistrement.